Bonjour, content de vous retrouver sur ce nouveau numéro de Guitare Extrême. Aujourd'hui, quelque chose d'assez funk et à la fois très blues au niveau de la grille. C'est une grille donc en 12 mesures. Les deux spécificités par rapport à une grille traditionnelle de blues, sur la dixième mesure, on a un accord de bémol 7, c'est-à-dire on va avoir à ce moment-là un accord de sol. Et il y a ce petit gimmick, ce petit riff qui ponctue aussi la fin de la grille, un peu comme le frein à turnaround, où on sent effectivement revenir le premier degré, mais plus par un chromatisme sixte, septième majeur, et puis la tonique. Donc les accords sur ce mouvement-là, on a un La, 7, Ré, retour au La, donc cinquième degré, le Mi, et là, au lieu de passer sur le Ré, on va aller sur le sol, plutôt 9e. Voilà. Et donc c'est effectivement cet accord qui sort un petit peu du cadre de la grille de blues habituelle. Alors, trois exercices comme d'habitude. Le premier sera rythmique. On va voir un petit peu justement comment remplir une grille si vous êtes en guitariste plutôt lead justement, mais pour densifier un petit peu les parties de basse que peuvent donner la guitare qui va égrener les accords par exemple. Donc là, je vous ai proposé des enrichissements basés soit sur des systèmes de tierces ou des systèmes de sixtes. On va voir ça. Donc pensez vraiment ici que le blues, il est rarement à considérer comme un Ré à 4-5, qu'on est sur un mode vraiment mixolydien, les accords sont des accords septième. Donc sur le La 7, on va penser une racine tonale de Ré majeur, 7 gamme. Donc une racine tonale de Ré majeur avec La, Si, Do dièse, Ré, Mi, Fa dièse, Sol, La, etc. Et donc c'est là-dessus qu'on va construire nos petits phrasés avec à chaque fois, c'est quelque chose qui me tient à cœur, ce petit mouvement de pulling pour amener, de hammer plutôt, pour amener la tierce majeure par la tierce mineure, ce qu'on a ici. Ce que vous entendez très souvent dans le blues et le rock, et qu'on va redonner sur cette rythmique un peu funk. Donc si effectivement on superpose pour avoir de manière harmonique les notes que je vous ai citées, en restant donc sur des parties plutôt aiguës de la guitare pour avoir ce petit voicing qui va se construire et qui va passer au-dessus de la partie rythmique de base, on a sur l'accord de sol la note donc de Do dièse, puisqu'on reste sur notre première position, c'est toujours ce qui est le plus facile pour nous à visualiser par rapport à notre manche. Et note de Mi, cinquième case, corde de Si, et puis note de La, cinquième case, corde de Mi aiguë.
Et donc, si je m'amuse comme ça à monter la gamme au moins sur trois positions distinctes, je vais avoir ces voicings-là, ici. Donc, on l'a vu. Et puis, donc, le Do dièse va aller au Ré, le Mi au Fa dièse, et le La aussi. Et si je continue à monter ma gamme, c'est comme ça, je vais avoir ici le Ré qui va aller au Mi, ici le Fa dièse qui va aller au Sol, et ici le Si qui va aller au Do dièse. Donc ici 9, 8 et 9 cordes aiguës. Et donc, comme je vous l'ai dit, le blues étant modal, donc chaque accord étant finalement indépendant de l'autre, je vais finalement transposer, de la même manière que vous transposez vos accords, je vais transposer cette phrase. Donc quand j'arrive sur l'accord de Ré, et là encore pour que ce soit visuel, on se place en première position, comme si vous attaquiez une pentatonique, enfin, l'accord, je vais donc avoir la même transposition. Et c'est là-dessus que j'ai calé mes petits voicings. Alors soit effectivement, juste en jouant les cordes Sol, Si, soit en jouant les cordes Sol et Mi, pour avoir à la fois des sonorités de tierces, soit majeur, soit mineur, et des sixtes. Voilà. Donc le premier exemple, il est sur ce qu'on pourrait jouer sur le La. Donc, 3, 4. En Ré. Là. Et pour l'accord de Mi, on a peu le temps d'exploiter des choses, donc juste l'accord 9e, idem pour le Sol, avec au moins le petit enrichissement sur les sixtes, cordes Sol et Mi aigu. Et voilà, c'est le petit exercice rythmique. Donc on est resté juste sur une position très simple. Libre à vous après de développer ce principe, c'est-à-dire qu'on est sur chacune des cordes en possibilité de jouer la gamme et donc à chaque fois de trouver des positions différentes. Ici on était donc en 6-5-5, 6-5-5, oui, 7-7-7 et 9-8-9 pour la gamme de La. Donc si je continue, 11-10-10, je continue mon voicing. 12-12-12, ici, 14 pour les trois cordes, 16-15-15, et je reviens à mon octave, ce que j'avais là. Donc il y a de quoi construire des jolies phrasées mélodiques, harmoniques, autour de cette possibilité mixolydienne, et donc encore une fois, que vous pouvez transposer sur le Ré également. Donc le deuxième exemple, enfin la deuxième chose que je vais isoler sur le petit solo que je vous ai proposé cette fois, c'est cette partie un petit peu chromatique qui sonne un petit peu jazzy, surtout dans la manière en fait dont le chromatisme est emmené. C'est-à-dire que tant que les notes chromatiques type quarte augmentée ou septième majeure sont justement encadrées par la septième, la fondamentale pour la septième majeure, ou par la quarte et la quinte pour la quarte augmentée. Voilà, le chromatisme sonne sans que ça frappe. Mais à partir du moment où ces notes-là deviennent quasiment des notes réelles, c'est-à-dire qu'elles sont isolées, qu'elles ne sont plus entourées par la note juste chromatiquement située au-dessous, la sonorité devient différente. Ce qui est le cas quand on passait sur l'accord de Ré, juste avant cette approche-là, et le fait ici d'avoir isolé cette septième majeure et de l'avoir rendu note réelle. Et là, cette fois, je suis sur le Ré. Voilà, c'est ce chromatisme ici, sur le Ré, où je vais jouer la fondamentale, la septième majeure, la septième, et ramener la sixte majeure par la sixte mineure, qui donne ce côté un petit peu qui frotte, quoi, voilà. Donc, cette phrase est intéressante. Et justement, si vous isolez ces notes, qui d'habitude sont des notes de passage, pour les rendre notes réelles, on a ces sonorités un petit peu plus jazzy, qui vont bien justement avec ce style un petit peu funk. Voilà.
Je la joue une dernière fois. Voilà. Donc le troisième exemple est vraiment un exemple basé sur la gamme mineure pentatonique. C'est plus une phrase technique. On est sur la position 5 de penta, ici. Je vais la jouer de manière descendante, avec ce mouvement-là. Encore une fois doucement. Donc ce qui est intéressant ici, c'est la routine à rentrer au niveau donc de la main gauche, où on va jouer sur un système de 3 notes, qu'on va répéter 3 fois. Voilà, le même système qui à chaque fois est repris avec la note intermédiaire du premier mouvement. Un intermédiaire qui devient la première. Je reproduis. Et là, je fais un saut de note. Donc, je recouche mon annulaire pour aller chercher la 12e case de la corde de Si. Et à partir de là, je fais une descente plus linéaire. Donc, effectivement, au niveau de la routine, ça casse le cycle. Il faut vous approprier ça. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez très bien adapter ce mouvement-là sur une autre position de pentatonique. Par exemple, première position, où je vais avoir le même principe, c'est-à-dire sur les trois premiers mouvements, trois notes, note intermédiaire devient première du nouveau mouvement. Et ensuite, je reviens effectivement en retrait, donc comme j'ai fait là. Donc c'est des phrasés qui sont faits pour être joués assez rapidement, ça donne une phrase technique, quoi, avec... dans l'écoute, quelque chose qui ne fait pas redondant, parce que justement, le cycle n'est pas exactement le même. Il y a ce fameux saut de note, une première routine répétée 3 fois, puis après le saut de note, et après un mouvement plus linéaire, où je suis le mouvement de la gamme. Voilà. Donc, à se mettre dans les doigts, et à essayer justement de transposer sur d'autres positions de la pentatonique, et pourquoi pas aussi, non pas sur un système descendant, mais ascendant, en gardant à peu près ce même mouvement. Voilà. C'est un peu des idées qu'on peut retrouver chez Eric Johnson, où effectivement, les mouvements vont être travaillés comme ça, architecturés, pour avoir ces sonorités-là. Voilà, et ben je vous souhaite plein de bonnes choses sur cet exercice. Funky, binaire, groovy, et au plaisir de vous retrouver sur Guitare Extrême. A plus, ciao.